Now, our next talk is Simulating Universes. Our speaker is donc, notre prochaine présentation, c'est Simuler les univers. Donc le présentateur, c'est Philippe Busch, qui travaille au Max Planck Institute for Astrophysics à Garching. Et donc c'est aussi un angel ici au Congrès. He's going to speak about how il va nous parler de comment l'astrophysique profite des avancées en calcul et en informatique. Merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Hi, so thanks everyone for coming and thanks for the organizers. Donc, merci à tous d'être venus et merci aux organisateurs de m'avoir donné l'autorisation de parler de ça. Donc au dernier congrès, j'avais déjà donné une conférence dans cette salle et du coup, je me suis dit pourquoi pas donner une conférence sur à quel point la science bénéficie de grandes capacités de calcul par ordinateur. Donc ceci est une simulation moderne de from the US and Germany and some other countries. And c'est une simulation de cosmologie qui contient plein de physique, notamment la physique du gaz. Et à la fin de la présentation, j'espère que vous serez capable de comprendre ce qui se passe là dans quelques détails. Donc pour arriver jusque-là, il faut qu'on simule l'univers en fait. Donc j'aurais pas pu donner ce talk sans avoir appris beaucoup de choses de différentes personnes, entre autres les personnes qui ont supervisé mon travail par le passé, certains de mes collègues, certains amis, voilà les noms. I couldn't have done it without them. Voilà, en fait, la science est un travail de groupe et j'aurais rien pu faire sans eux. Donc, avant de parler de la simulation, on va d'abord parler de ce qu'on est en train de simuler. Et je vais vous donner une introduction assez rapide sur la cosmologie. Donc, c'est une science qui parle de la compréhension de l'univers de l'espace dans son ensemble. Je vais parler un tout petit peu d'astrophysique aussi, mais rester vraiment superficiel sur cette partie. In our community, very famous plot. Donc ici dans la communauté des cosmologistes, c'est un graphique assez connu. À peu près tout ce qu'on connaît du développement de l'univers est présent sur ce graphe. Donc ce qui se passe en fait, c'est que comme la lumière a une vitesse finie, plus on le regarde loin dans l'espace, plus on voit dans le passé en fait, parce que la lumière donc n'a pas le temps. Plus on regarde dans le passé. Donc si on regarde sur ce graphe, donc tout à gauche on a donc le Big Bang, donc le début de l'univers, et après ça on a une phase d'expansion rapide dans laquelle on a un univers plutôt homogène et qui ensuite va donner l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Plus l'univers va s'étendre, plus il va commencer à se refroidir et commencer à se concentrer pour donner les particules que l'on connaît aujourd'hui. Protons, neutrons, and later on electrons. Une grande partie de cet univers maintenant, c'est de la matière noire et de l'énergie noire, donc qui n'interagissent pas avec les particules. Et à côté, on a des particules massives, donc celles qu'on a l'habitude de côtoyer et qui interagissent entre elles. Et donc, au bout d'un moment, donc on peut avoir des structures, et en fait, c'est ce qui témoigne de la présence de matière noire. Et en fait, s'il n'y avait pas eu de matière noire, à l'heure actuelle, on verrait pas de structure en fait dans l'univers. Il n'y aurait pas eu assez de temps. Et donc, quand l'univers s'étend encore plus, il continue à se refroidir. Et maintenant,
L'univers est tellement gros et tellement dilué que la matière et les photons en fait arrêtent d'interagir. Et donc ils sont libérés et en fait ils finissent par atterrir vers nous. Et donc ils ont été décalés vers le rouge parce que quand l'univers s'étend, la longueur d'onde de ces photons augmente aussi, et donc ça se traduit par un décalage des couleurs vers le rouge. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça redshift, décalage vers le rouge. Et en fait ce pattern qu'on observe, c'est vraiment la première lumière qui a été libérée, et donc c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, donc Cosmic Microwave Background, on peut l'observer encore aujourd'hui partout. Et donc ensuite les structures se forment, commencent à faire des galaxies, des espèces d'amas, et donc l'univers devient de moins en moins homogène. Et donc ça c'est en violet, en fait c'est la structure de la matière noire, mais ce qu'on voit, nous, c'est ce qu'il y a en dessous, ce sont des galaxies. Et donc, les galaxies sont un peu comme des traceurs de la structure de la matière noire. C'est comme si on avait des espèces d'ampoules sur ce réseau ou cet arbre de Noël formé par la matière noire. Donc là, on voit une image du fond diffus cosmologique. Donc ça, c'est une image de tout ce qu'on voit tout autour de nous, une carte complète du ciel. C'est une carte qui a été prise par le satellite Planck. Grâce à cette carte, on peut calculer en fait ce qu'on appelle la température de corps noir. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est donc la valeur moyenne est en fait 10 000 fois plus grande que les variations. 100 000, pardon. Et donc les variations, c'est 0,001%. Ces variations, en fait, sont très très proches de ce que les mathématiciens appelleraient une variable aléatoire gaussienne. Donc ça, c'était prédit par les modèles cosmologiques. Pourquoi il y a ces petites fluctuations, c'est une question courante qui est intéressante. Ce qui est intéressant maintenant, c'est ce qu'on appelle le spectre de puissance. Donc, à quel point les fluctuations sont importantes à une certaine taille. Ce n'est pas très important que vous compreniez pourquoi la courbe ressemble à ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous voyez qu'en rouge, vous voyez les données, ce qu'on mesure de cette carte, et en vert, c'est l'ajustement c'est l'ajustement sur le modèle avec 6 paramètres libres, seulement 6. Et ces 6 paramètres nous donnent un spectre de puissance qui arrive à reproduire ces données expérimentales avec très peu d'erreurs. Et ça, c'est super important. Mais en fait, c'est dommage que ça marche aussi bien, parce que si ça marchait pas, en fait, on aurait des choses à chercher. Et en fait, pour les 30 dernières années, les gens ont essayé de trouver des fautes là-dedans pour trouver des choses à faire. Et donc, en fait, il y a beaucoup de travail qui consiste à chercher comment on pourrait tester et trouver des choses qui ne marchent pas pour qu'on trouve d'autres explications, en fait, pourquoi c'est comme ça. Et donc, de cet ajustement, en fait, on récupère les paramètres de l'univers, donc la composition. Donc, une première fois au moment où le fond diffus cosmologique a été émis, et une fois à l'heure actuelle. Donc, les choses qui ont été émises au CMB, en fait, elles ne varient pas en total, mais par contre, leurs proportions relatives, on peut les ajuster en fonction des paramètres qu'on a récupérés. Donc, les atomes qu'on connaît qui occupent 4,6%, ensuite, on a une vingtaine de pourcents de matière noire, et la dernière partie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on appelle l'énergie noire. Ok. Donc jusqu'à maintenant, j'ai surtout parlé de gravité, j'ai parlé un peu de gaz aussi.
Et en fait, ça met le cadre pour les simulations parce que le plus important, c'est la gravité. On ne peut pas avoir de simulation de l'univers sans la gravité. Et la deuxième chose, en fait, c'est l'hydrodynamique. Et en fait, on peut avoir des simulations correctes sans hydrodynamique, mais si on veut avoir de la dynamique détaillée, il la faut. Et en plus, on peut rajouter pas mal de choses comme la radiation, mais en fait, elles sont moins importantes et je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des simulations pour commencer ? Donc, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des modèles théoriques, mais ils nous amènent pas forcément très très loin. Et le souci, c'est que l'espace est quelque chose d'assez gros et qu'on peut difficilement en avoir un petit morceau dans un laboratoire. Du coup, en fait, les informations qu'on a à l'heure actuelle, c'est ce qu'on peut observer depuis nos télescopes qui sont dans l'espace ou sur le sol. On a quelques idées de comment ça marche, parce qu'on a des théories qui fonctionnent assez bien et qui expliquent relativement bien ce qu'on peut voir, mais ce qu'on aimerait bien voir, c'est savoir si nos théories sont vraiment vraiment fiables, et du coup on a besoin de calculer ce que ça peut donner à une grande échelle, ce qui est décrit par nos théories. C'est là que la simulation entre en jeu, et du coup ce qui se passe, c'est qu'on va nos entrées, on a un algorithme, donc notre simulation, qui est dictée par les théories qu'on a établies. On a un output, une sortie de cet algorithme, et on va comparer ça aux observations pour voir si ça match ou pas. La première chose dont on va parler pour présenter la simulation, c'est discrétiser la discrétisation. En fait, ce qui se passe, c'est que l'espace, c'est quelque chose de complètement continu, et ce qu'on va devoir faire pour le simuler, c'est le transformer en éléments discrets, donc le découper en petits éléments, donc par exemple le casser en petites particules ou en pour représenter en fait on va utiliser un modèle avec une seule particule pour représenter toute une région de l'espace, et une particule représentera une plus grande région si jamais la distribution de masse est plus faible, et inversement si la distribution de masse est plus forte. En fait, la matière noire n'interagit pas de la même façon que la matière normale, et donc on a un système qu'on appelle purement collisionnel, sans collision, pardon. Et donc l'univers, c'est vraiment un système non collisionnel au sens de la matière noire, et donc ça nous donne ce qu'on appelle le problème à n-corps. Et donc c'est pour ça que ces simulations s'appellent des simulations à n corps. Et la question, c'est comment est-ce que ces n corps, ces n particules par exemple, qui interagissent uniquement par la gravité, comment est-ce qu'elles se comportent au cours du temps. Donc de la physique, on sait qu'on a les accélérations. On sait comment les particules se comportent. Donc il faut savoir qu'on est loin du champ d'application de la relativité générale, on n'en a pas besoin ici. Donc on peut utiliser la gravité newtonienne. Et en fait, comme je l'ai écrit ici, c'est très courant, c'est très coûteux de calculer cette somme directement. La complexité est de l'ordre de n carré. Mais avec des méthodes comme des transformées de Fourier ou des méthodes par arbre, en fait, on peut réduire cette complexité à n log n, voire avec des méthodes type multipode rapide, en fait, on peut aller jusqu'à n dans certains cas. Donc maintenant, on va aller à un exemple un peu plus ancien, même avant les ordinateurs. Donc ça, c'est plus pour la partie de l'audience qui est intéressée par le hacking et faire des choses par soi-même. Et donc, Holmberg a essayé de résoudre ce problème, et il était surtout intéressé par ce 1 sur d carré. Donc il y a beaucoup de choses qui varient en 1 sur d carré, par exemple l'intensité d'une ampoule.
Donc il a fait un système avec une ampoule et plein de photorécepteurs qui étaient ces particules. Et il a mesuré la quantité de lumière de chaque ampoule qui était reçue par chaque détecteur, et il a fait évoluer le système. Et en fait, avec ça, il a eu des beaux résultats, et il y a eu beaucoup de travail aussi par rapport au, par des étudiants, parce que c'est eux qui ont fait le travail manuel. Et par exemple, on peut simuler ces galaxies qui interagissent, donc quand elles se croisent. Et donc ils font ces espèces de traînes, de marées. Et donc ça, c'est une vraie image qu'on peut observer avec le télescope Hubble. Et donc ça, c'est ce à quoi les galaxies ressemblent en réalité. Donc ça, c'est de la gravité, de l'hydrodynamique. Et donc quand les gens avaient des ordinateurs, ils ont revisité ce problème. Donc par exemple, Toumré, un oncle et son neveu ont fait ces simulations, et on voit bien ces traînées ici. Et donc maintenant, les gens regardent encore actuellement sur ces simulations, donc pas forcément sur ces traînées parce qu'elles sont bien connues, mais sur d'autres aspects. Maintenant, on peut se pencher sur les simulations cosmologiques à Encore. Donc on commence pas par les galaxies, mais on commence avec le spectre de puissance comme une condition initiale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on simule pas notre univers, parce que le fond diffus cosmologique est à des milliards d'années-lumière, puisque ça s'est produit il a été émis à des milliards d'années, il y a des milliards d'années. Et donc on fabrique en fait des conditions initiales qui ont les mêmes statistiques, qui ont les mêmes variations statistiques que celles qu'on mesure dans notre univers. Et donc, à l'heure actuelle, on peut être un peu plus proche de notre univers, mais ça, c'est ce qu'on fait pour la plus grosse partie. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, une simulation à Encore. Donc ça, c'est une simulation à deux dimensions, parce que c'est plus simple à comprendre. Et donc ça, c'est fait par un collègue à moi, Jens Stöcker. Et donc vous voyez que dans certaines régions peu denses, les particules se séparent, et là où la région est plus dense, les particules s'attirent les unes les autres. Et donc on voit que les particules s'attirent les unes les autres, elles se croisent, et on tombe sur ce système de filaments et de nœuds. Et si vous vous souvenez de la première image, vous avez ce même système. Après, en 3D, ce qui peut se passer, c'est qu'après un croisement, vous pouvez avoir une espèce de feuille, et ensuite, après un autre croisement, vous pouvez avoir un filament, pardon. Et par exemple, en bas, on a ce qu'on appelle des halos. Et ces halos, en fait, c'est les lieux de naissance des galaxies. C'est là qu'il y a la matière noire la plus dense, et là le gaz s'écoule là-dedans, et donc ce gaz peut former des galaxies. Et donc les étoiles qui forment les galaxies se forment là-dedans. Mais on n'est pas non plus les premiers à faire ça. Et donc ça, c'est une vidéo qu'un collègue à moi a récupérée en Estonie, de l'URSS. Et donc Doroshkevich et ses collègues ont déjà fait ça dans les années 70, et ils l'ont projeté sur un écran et l'ont filmé avec une caméra. Et on voit déjà ce même type de structure. On peut avancer un peu et donc ils ont fait le même type de problème comme un exemple. Et donc ça, c'était il y a 41 ans. Et ils avaient même des champs de densité cosmologiques assez réalistes. Bon, en 2D, mais néanmoins. Et donc ce sur quoi je travaille, c'est quelque chose qui a été lancé en 2005, mais il y a toujours de l'information qu'on peut en tirer. C'est la simulation Millennium qui est très importante pour le domaine, parce qu'à l'époque, c'était la plus grosse simulation, et elle a eu beaucoup d'influence sur les développements. Et donc elle utilise un peu plus de 10 milliards de particules en 2005, et chaque particule représente en fait à peu près un milliard de fois la masse du Soleil.
Et donc, une fois la masse du Soleil, c'est le Soleil. Et donc, une particule, c'est à peu près un milliard de Soleil. Donc, la boîte fait à peu près 500 mégaparsecs. On a toujours ce facteur 1 sur H. Et un parsec, c'est un peu plus que 3 années-lumière. Donc, un mégaparsec, c'est un peu plus que 3 millions d'années-lumière. Et donc, on a 500 de ces parsecs, ces mégaparsecs dans cette simulation. Donc, ici, on voit un gigaparsec ici, parce que les gens qui ont fait cette vidéo, en fait, ils ont un peu déplié cette boîte pour pas qu'elle se répète. Et donc, ici, on voit un vol dans cette simulation et on va voir combien de structures sont en fait résolues. Donc ça c'est un bel endroit pour s'arrêter. Donc vous pouvez voir déjà pas mal de choses. Vous pouvez voir ce réseau qui s'appelle la toile cosmique et vous pouvez voir les nœuds. Donc là où il y a des amas de galaxies qui se forment et vous avez aussi des petits groupes de galaxies qui se forment. Vous avez des régions vides et vous avez des filaments. Donc c'est là donc dans les filaments que vous avez les galaxies et c'est ce qui trace en fait ces filaments. Donc vous voyez des arrangements linéaires de galaxies. Et donc si on avance un peu plus, donc là on zoome dans un truc comme ça. Donc on voit toujours des structures. On a commencé avec des milliers de mégaparsecs et là on est à quelques dizaines de mégaparsecs, voire quelques mégaparsecs. Et pour moi c'est super fascinant de voir autant dans une simulation. Donc maintenant, les ordinateurs deviennent plus grands et les simulations deviennent plus grosses. Donc ça, c'est une simulation avec 2 trillions de particules, donc 2 fois 10 puissance 12, donc 2 avec 12 zéros particules. Et donc là, on peut avoir énormément de données et on commence à pouvoir les analyser, mais on a encore pas mal de choses à faire. Et donc ici, vous voyez... Vous voyez ces pics de densité qui sont les halos. Et donc ça, ce sont des abstractions assez utiles parce que ce sont les lieux de naissance des galaxies. Et donc ces halos, ce que je vous ai dit, c'est que ce sont des objets de matière noire qui sont effondrés au sens gravitationnel. Et on voudrait savoir, en fait... comment les halos se distribuent, c'est vraiment le point important de ces simulations. Et on veut savoir à quoi ils ressemblent, ces halos, et comment ils se forment. Donc ça, c'est ce qui nous raconte en fait comment fonctionnent les galaxies. Et donc j'ai choisi ces images qui consistent à aller d'une partie du champ de densité. Ensuite, on sépare ça entre le halo principal et plein de sous-halos. Et on est surtout intéressé par cette image abstraite, donc au sens d'analyse de données. Et donc, on veut savoir en fait comment ces halos, à quoi ils ressemblent et comment ils étaient formés. Et donc, pour définir ces structures, les gens ont commencé dans les années 80 à définir les algorithmes amis-d'amis. Donc, qui collecte en fait des clusters donc de particules, et ensuite il y a des méthodes de type surdensité sphérique qui recherchent en fait des pics de densité et ensuite ils étendent des sphères autour pour trouver en fait les pics, et ensuite vous avez des algorithmes comme Rockstar qui fonctionne pas uniquement sur la position, mais qui utilise aussi les vitesses, et donc qui sont plus détaillées mais plus complexes. Donc, je vous ai aussi dit qu'on était intéressé par comment se forment les halos, et donc ça c'est encodé là-dedans. Donc ça c'est ce qu'on appelle un arbre de fusion. Donc parce que les halos se forment pas seulement en accrétant du matériau, mais aussi en fusionnant. En fait, ici, ce halo actuel, il a été formé par tous ces petits halos ici qui ont fusionné à un certain point dans le temps, donc dans l'histoire. Et donc, ces fusions font vraiment le halo qu'on voit actuellement.
prominent and most important outcome. Ce qui est le plus important dans cette simulation, c'est qu'on ne savait pas. Ce qu'on ne savait pas, c'est ce qu'on appelle maintenant ce profil NFW pour Navarro, Frank et White, qu'ils ont découvert dans des simulations en 1996. Donc ça, c'est très remarquable, parce qu'ils ont trouvé que, peu importe la masse du halo, en fait, tous les profils de densité, c'est-à-dire comment la densité évolue quand vous éloignez de ce halo, elle peut être décrite par deux paramètres, ce RS et ce ρ0. Donc vous avez au centre vous avez du R puissance moins 1 et après vous avez du R puissance moins 3. And this has also been tested with observations. Et donc ça a aussi été testé par observation. Et jusqu'à maintenant, ça a très bien marché. Donc il y a quelques déviations dans certains cas, mais c'est un très bon modèle. Et ça n'avait pas été prédit théoriquement avant. Les gens avaient des idées sur à quoi ça devrait ressembler, mais ça a été trouvé par les simulations à NCORE. Et donc maintenant, on peut aussi comparer. J'ai pas assez de temps pour parler de comment, mais on peut comparer ces simulations à ce qu'on observe en fait, en utilisant ces arbres de fusion, mais aussi ces halos. Et donc, en fait, avec cette information sur la matière noire, on peut peupler des galaxies. Et avec ces galaxies, en fait, on peut comparer à des vraies observations de galaxies. Donc, dans la partie en haut à gauche de ce graphique, on voit des vraies observations. Donc, des gens qui sortent, qui prennent leur télescope et qui mesurent les positions des galaxies et leur position dans le ciel. Et en bas à droite, on a les simulations Millennium et on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence, donc ça ressemble pas mal. Donc on est sur la bonne voie. Et c'est aussi pour ça ces simulations par exemple le satellite Euclide donc, sont vraiment intéressantes parce qu'on peut voir si on arrivera à faire des choses avec les vraies données plus tard. Donc on peut comparer même plus quantitativement. Ici, on a les fonctions de corrélation. Donc si on choisit une galaxie arbitrairement et on regarde en fait à quelle distance les autres galaxies se trouvent en fonction de la distance. Je ne veux pas en parler en détail, mais ce que je veux vous montrer, c'est que les points sont les mesures, donc de l'expérience très importante SDSS. Et en rouge, on a plusieurs populations, et en bleu. Mais en fait, ça marche très bien, même si on sépare les galaxies en rouge et bleu. Et si on va à plusieurs masses, donc là, il y a un facteur 1000 en masse entre un côté et l'autre. Et donc, ça marche vraiment très bien. Mais comme j'ai dit, on continue à traiter tout ça comme un fluide non collisionnel, et donc c'est pas vraiment correct. Il y a du gaz dans l'univers, il y a de la matière, et on est intéressé par ça. Donc on fait des simulations hydrodynamiques parce qu'on a besoin d'hydrodynamique à un moment, parce qu'on a besoin de savoir comment le gaz se comporte. Donc ces simulations hydrodynamiques, en fait, actuellement, elles ont que ces quatre ingrédients. Donc, à part la gravité, évidemment. Donc, c'est toujours la partie la plus importante. Mais on a besoin de l'hydrodynamique, donc la mécanique des fluides. Il faut qu'on sache comment est-ce qu'on forme des étoiles là-dedans, parce que c'est à la fin ce qu'on voit. Et comment est-ce qu'on traite les trous noirs supermassifs, parce que c'est le composant central des galaxies. Et il se trouve qu'ils sont très importants par rapport à ce qu'on voit dans les galaxies. Et il faut voir comment les étoiles les trous noirs supermassifs interagissent avec la galaxie. Mais je ne vais pas avoir le temps de tout traiter parce que j'ai pas assez. Ça serait trop compliqué. Donc les dynamiques eoliennes, c'est un moyen simple de traiter l'hydrodynamique. Donc on divise l'espace en une grid et en une grille, et ensuite on peut varier la résolution.
Donc on a encore des codes qui utilisent ce maillage adaptatif comme Ramsès et Enzo, et qui sont très importants dans ce domaine. Donc ça, c'est une discrétisation de l'espace. Avant, on avait discrétisé la masse. On peut aussi faire ça pour l'hydrodynamique. Donc on divise notre gaz en particules, en cellules qui bougent, en fait. Donc la première façon de traiter ça, c'est la dynamique à particules lissées. Si vous utilisez Blender, par exemple, vous pouvez avoir ça là-dedans. Donc vous avez une particule qui représente une certaine quantité de gaz, et vous avez une espèce de fonction de forme qui décrit un peu la distribution de matière autour de la particule. Une autre méthode, qu'on va voir un peu plus tard, c'est donc un maillage non structuré où vous avez des points et vous construisez ce qu'on appelle la tessellation de vos Voronoi. Un peu comme la dynamique eulérienne, vous laissez le fluide s'écouler, et donc vous raffinez ou vous déraffinez votre grille pour garder les cellules à peu près de la même masse. Et donc il y a des nouvelles techniques aussi où vous avez à nouveau des particules, et qui s'appellent des méthodes sans maillage, parce qu'il n'y a plus de cellules. Voilà, elles se ressemblent quand même pas mal. Donc maintenant, pour vous montrer un petit exemple de ce qui se passe, donc là, c'est un exemple à très, très mauvaise résolution où on peut voir les cellules. Donc c'est la cellule au milieu, c'est le maillage mobile, donc qui est aussi utilisé dans les simulations que je vais vous montrer. Et donc, pour vous donner une intuition de à quoi ça ressemble, on a un flow vers la droite en rouge et un flow vers la gauche en bleu. On voit que les cellules au centre sont assez carrées et bougent avec le flow. Et à la surface, elles se déforment. Et vous voyez comment les choses se déforment dans les cellules et comment les cellules bougent avec le fluide. Et donc, de cette façon, en fait, donc ça rend avantageux par rapport à de l'hydrodynamique eulérienne, c'est-à-dire où le maillage est fixe. Et si vous ne faites pas ça avec une mauvaise résolution, mais avec une bonne résolution, c'est à peu près le même problème. Mais il y a quelques conditions initiales différentes. On a des très beaux résultats. On a ce qu'on appelle une instabilité de Kelvin-Helmholtz, qui est un test standard, en fait, des codes numériques, où on a deux fluides qui s'écoulent l'un contre l'autre. Et donc, là, on a plein de niveaux de tourbillons, en fait, qu'on peut suivre. Donc ça, c'est la mécanique des fluides. J'espère que vous avez un peu compris ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les étoiles et les trous noirs supermassifs? Le problème, c'est qu'on ne peut pas les résoudre. Même une bonne simulation, en fait, les particules sont beaucoup trop grosses par rapport pour les étoiles, ou par rapport pour représenter, en fait, l'espace qui est déformé par le trou noir supermassif. C'est gros, mais en fait, c'est très très petit par rapport au maillage de la simulation. Donc on utilise des modèles sous maille qui nous disent, en fait, comment les processus qu'on peut pas voir se comportent, et comment on peut retransmettre leur information dans notre maillage. Donc, par exemple, ici, on a des étoiles qui se forment dans un cluster dans la galaxie d'Andromède. Et donc, nous, on les représente par des particules de type étoile qui peuvent représenter des centaines, voire des milliers de stars, d'étoiles. Et donc, ensuite, on regarde comment ces étoiles transmettent de l'énergie en explosant, en fait. Et on a la même chose pour les trous noirs. Donc ici, on a une image multi-longueur d'onde, donc d'une galaxie, où on voit que le trou noir à l'intérieur émet beaucoup de choses. Il émet énormément d'énergie, donc les trous noirs, ils mangent beaucoup de matière. Et en fait, quand ils attirent la matière, cette matière qui tourne autour, en fait, elle devient très très chaude, et donc il y en a une partie qui est éjectée, et donc qui éjecte avec elle du gaz de la galaxie. Et donc la rétroaction par supernova, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est
C'est une simulation par Hu qui montre une galaxie vue de face. Et à droite, on voit une galaxie qu'on voit en coupe. Et donc, on voit des étoiles qui se forment et qui explosent et qui forment ces espèces de bulles de basse densité. Donc ça, c'est très important dans les petites galaxies parce qu'elles ne sont pas assez massives pour garder tout leur gaz. Et le puits de potentiel, donc le potentiel gravitationnel est suffisamment faible pour que ces explosions d'étoiles, donc ces supernovas, puissent faire beaucoup de dégâts. Et en fait, elle change vraiment la forme de la galaxie. Et donc, de l'autre côté de l'échelle de masse, on a des trous noirs supermassifs. Ici, je vais vous montrer cette vidéo de Di Matteo et ses collaborateurs. Donc, même si les résultats ne sont pas à jour scientifiquement, c'est quand même assez proche de ce qui se passe. Donc on a deux galaxies très massives. Donc on voit le gaz ici. Et donc la teinte représente la température et donc la couleur représente la densité. Et donc elles interagissent. Vous souvenez ces traînées, c'est ce qui se forme là. Et donc on a des trous noirs supermassifs au centre de chacune de ces galaxies. Et donc à un moment, elles commencent à manger une bonne partie de ce gaz. Et donc ce gaz chauffe, on voit déjà quelques écoulements. Et à un moment, elles commencent à relâcher beaucoup d'énergie et à expulser en fait le gaz. Et s'il n'y a plus de gaz froid qui peut former les étoiles, qui peut s'écraser et qui peut s'effondrer. Donc c'est ce que j'ai dit dans l'univers primordial. On ne peut plus former d'étoiles en fait. Et donc ça empêche la formation d'étoiles dans les galaxies très massives. Donc on n'a pas toujours su qu'il fallait ces processus, mais les observations nous ont dit que les galaxies de faible masse ne forment pas beaucoup d'étoiles. Donc ici, on voit le rapport entre la masse d'étoiles et la masse du système, la masse du halo de matière noire, proportionnelle à la quantité de masse totale de l'univers par rapport à la vraie masse, à la partie qui est vraiment de la matière ordinaire. Et donc ici on voit que en fonction de la masse de la galaxie, donc matière noire plus la galaxie à l'intérieur, mais c'est surtout le halo de matière noire, on voit que la rétroaction stellaire, donc les supernovas, réduit la proportion de gaz qui finit par former des étoiles. Donc le rouge et le noir, ce sont des simulations plus anciennes qui n'ont pas les plus hautes masses, donc où le trou noir supermassif est très important. Et donc on va avoir une image où c'est mieux, mais néanmoins on peut voir cette tendance. Et donc nous dans la Voie Lactée on est à peu près là où on forme beaucoup d'étoiles, et en fait même à ce point-là on forme que 25% de la fraction théorique, de la quantité théorique de gaz qu'on peut utiliser pour former des étoiles. Donc maintenant les simulations ont de meilleurs résultats, et donc je vais vous montrer donc les résultats de la simulation Illustrix TNG, parce que les gens aimaient bien Star Trek. Donc ici on a une petite galerie de tous les types de galaxies qu'on forme, et elles sont assez réalistes en fait. Donc on pourrait regarder quantitativement, c'est mieux aussi. Et donc ça, c'est une simulation, la simulation de laquelle venait la vidéo que j'ai montrée au début. Et donc j'espère maintenant que je vous ai montré un peu, j'ai pu vous expliquer ce que vous voyez ici. Donc ici, vous voyez le gaz avec la température dans cette simulation hydrodynamique cosmologique. On voit le gaz qui s'écoule dans les halos de matière noire. Et donc on voit cette toile cosmique qui se forme par la matière noire.
On ne voit pas autant de points clairs que dans les simulations de matière noire, parce que les petites galaxies en fait peuvent pas garder leur masse, mais par contre on peut voir que dans les gros points en fait la matière est expulsée par cette rétroaction, et on voit que en fait les halos fusionnent pour avoir des amas de plus en plus gros. En fait, on peut même voir un amas de galaxies. Mais c'est toujours compliqué de voir comment ça marche en voyant les étoiles. Donc là, on prend juste une coupe projetée en 2D. Donc ici, on a la densité de gaz, la densité de matière noire. Donc ce qu'on a vu pour les simulations Millennium avant, et les étoiles. Donc ça, c'est ce qu'on verrait si on pouvait voir regarder avec un télescope. Donc à nouveau pour la simulation Illustrix TLNG. Donc ça, c'est fait par Daniel Nelson. On va laisser tourner, on voit comment la matière noire se structure et comment le gaz suit cette structure. Et on voit comment les étoiles naissent. Et donc, vous voyez comment ces particules stellaires en fait se forment au début. Et donc, au bout d'un moment, il y a suffisamment d'étoiles pour que vous ne voyez plus les événements un par un. Et donc, on voit comment ces structures se forment. Et ça commence à ressembler au graphique qu'on a vu au début. Avec les galaxies, les observations de galaxies, cette structure en toile, et on voit que ces galaxies sont tracées de manière assez restreinte, et il y a une bonne partie de la structure de matière noire qui est pas visible directement. Donc on voit pas non plus le gaz, mais par contre on pourrait observer comment la lumière qui vient de derrière ce gaz est changée par ce gaz. Maybe someone else has said, give a talk at some point about this here. Et donc peut-être on peut voir aussi en fait comment la force gravitationnelle déforme la trajectoire de la lumière, distord en fait l'image des galaxies qui sont derrière ces structures. So what are people doing nowadays? Donc qu'est-ce que les gens font en ce moment? Of course, things get bigger. Bah, évidemment, les choses deviennent de plus en plus grosses avec les ordinateurs. Donc, on a commencé ici dans les années 90. Donc, ça, c'est le nombre d'éléments de résolution, soit les particules, soit les cellules, soit les trucs comme ça. Et on a commencé avec entre 10 et 100 000. Et maintenant, on a des millions, voire des milliards. Donc les simulations à N-core étaient toujours un peu plus haut parce que c'est plus simple en fait au niveau calcul, il y a moins de calculs à faire, mais elles se suivent quand même assez proches. Donc ça, c'est une publication de Gennell en 2014. Vous n'avez pas les développements les plus récents, mais quand les choses deviennent plus grandes, bah, elles deviennent aussi plus difficiles à sauvegarder. Donc les simulations Millennium utilisent à peu près 300 gigas par image. Et donc avec 64 images, ça fait 18 teraoctets. La simulation Euclid Flagship, si on la sauvegardait comme les simulations Millennium, en fait, ça serait 60 teraoctets par image. Si vous avez 60 images, donc 60 instantanées, ça serait 3,6 pétaoctets. Donc je pense qu'on peut l'enregistrer dans notre institut, peut-être trois fois, mais ouais, après notre stockage est plein. Donc la solution, c'est qu'on ne stocke pas tout. En fait, on produit des produits dérivés, des catalogues de Halo qu'on fait à la volée. Comment on trace comment ils fusionnent, et en fait on enregistre les données seulement sur un cône de lumière. Je vous ai montré le graphique de l'histoire de l'univers, donc quand la lumière nous atteint, en fait on voit qu'une partie de l'univers, et plus on va loin, plus ça prend du temps en fait d'avoir cette lumière.
Et donc on peut regarder juste les particules dans ce cône de lumière. Et donc on a en fait simulé l'observation depuis un point de la simulation. Ensuite, elles deviennent plus fortes, donc avec en nombre de processus physiques, des choses dont je n'ai pas parlé, comme la radiation, les champs magnétiques qui sont déjà traités dans Illustris TNG, les rayons cosmiques aussi, la poussière, les étoiles produisent de la poussière, et donc la poussière se couple au gaz avec la radiation et tout ça. Et à la fin, en fait, il y a beaucoup plus de processus que ce qu'on peut suivre. Et donc ça augmente la complexité, et quand on augmente la résolution, en fait, on diminue le nombre de choses qu'on a à décrire en sous-maille. Donc les particules étoiles, à la base, c'était à peu près une dizaine de masses solaires, alors que les particules étoiles qu'on avait au départ, c'était plutôt des centaines, voire des milliers, et maintenant on arrive presque à résoudre... par une particule étoile, on arrive à résoudre peut-être une grosse étoile. Et donc, elles vont aussi plus vite. Parce que, aller plus vite, ça fait qu'on les rend plus grosses, mais du coup, le temps reste le même. Et donc, on rajoute des choses. Mais les codes deviennent plus rapides aussi. Donc, comme je vous ai parlé plus tôt, on a parlé de ce problème à N-Core, où il y a des méthodes de plus en plus rapides et les codes deviennent de plus en plus efficaces. On a des nouveaux codes qui sont plus efficaces et plus rapides pour certaines situations. Et comme les ordinateurs deviennent plus gros, en fait, le passage à l'échelle devient plus difficile parce qu'on n'utilise pas un seul cœur ou une centaine ou un millier, mais on arrive à une échelle où on parlait par exemple de faire tourner quelque chose sur l'ordinateur Tianhe, qui est plutôt de l'ordre de millions de processeurs qui doivent travailler ensemble, et donc le passage à l'échelle devient un problème important. Et les simulations sont en fait sont programmées avec le paradigme MPI OpenMP, donc MPI qui gère la communication entre les nœuds, et OpenMP qui gère des threads en local. Et en fait, les gens commencent à se séparer de ça suite au travail d'informaticiens et de constructeurs qui font des algorithmes meilleurs et plus complexes, plus évolués. Et donc, je voudrais encore rajouter une chose. En fait, quand les simulations sont plus rapides, on peut faire des choses intéressantes. Donc, Yasha essaye d'ajuster les simulations à N-Core avec notre univers. Et donc, il essaye de générer des conditions initiales perturbées de façon à être de plus en plus proche, en fait, de ce qu'on observe dans notre univers. Donc, en foncé, vous voyez les structures de densité dans la simulation, et en rouge, vous voyez les étoiles qu'on observe vraiment. Et on voit qu'à certains endroits, c'est pas terrible, mais à d'autres endroits, c'est vraiment très très bien. Et donc, en fait, à partir de ça, il peut essayer de retrouver les conditions initiales de notre univers. Et donc, il y a d'autres groupes qui font des choses similaires, donc par exemple à Potsdam, d'une façon un peu différente, mais avec un but qui est à peu près le même. Et je pense que ce qui est intéressant aussi pour cette audience, c'est que le domaine devient de plus en plus ouvert. Donc les codes sont publics en grande partie. Il y a des parties qui ne sont pas forcément publiques, mais il y a beaucoup de gros codes qui commencent à être publics autant que possible. Donc on peut aller sur GitHub ou autre et regarder, chercher ces codes et lancer des simulations par vous-même
vous pouvez jouer avec. Vous n'avez pas vraiment un super ordinateur, mais vous pouvez quand même faire des petits exercices sympas. Ensuite, les résultats de simulation sont souvent rendus publics aussi. En fait, on veut que vous utilisiez les données, vous, en tant que scientifique. Ça aide vraiment à rendre ces simulations connues et ça popularise ces simulations pour que plus de gens puissent travailler dessus. Et donc... On a lancé les simulations Millennium en 2005 et je suis toujours en train de travailler dessus. Et à l'heure actuelle, il y avait 974 publications qui utilisaient les données de la simulation Millennium. Donc certaines étaient juste pour cette simulation, d'autres la comparaient à d'autres simulations. Mais c'est assez impressionnant comme nombre. Et c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez regarder à ces choses par vous-même, c'est sur Internet. Parfois, il faut s'inscrire. Peut-être leur dire pourquoi vous avez envie de regarder ça. Donc il y a cosmosim.org, la Millennium Database, CosmoHub. CosmoHub, I think it's in the ETH. And the Illustrious TNG Database. Et puis Illustrious TNG. MPA and Harvard and some other institutions that are involved there. And so the Illustrious TNG was actually donc Illustrious TNG a été libéré, donc ça a été publié le 14 décembre, donc c'est assez récent, mais vous pouvez regarder le catalogue de Galaxy et les sorties de ces simulations qui sont intéressantes. Donc je vais vous laisser avec ces messages. Donc j'espère que j'ai pu vous expliquer pourquoi les simulations cosmologiques sont vraiment puissantes, sont vraiment des outils puissants. Les galaxies et la formation des galaxies, comment est-ce qu'elles prédisent des choses qui jusqu'à maintenant étaient inconnues. Par exemple, ce profil NFW, mais comment elles sont robustes par rapport à la gravité. Et on voit qu'il y a quelques évolutions entre Illustrious et Illustrious TNG, mais elles deviennent de mieux en mieux. Et donc, ce sont des calculs qui sont énormes. Et ce sont des très beaux exemples de comment la science et ses résultats peuvent être publiés, comment on peut accéder à ces résultats. Et si vous voulez voir un peu plus par rapport au côté physique, vous pouvez voir la présentation de Sarah Conrad qui va parler de matière noire et d'énergie noire, donc en jour 4, 14h10 en salle Borg. Et j'espère en voir beaucoup de vous là-bas. Merci. Thank you, Philip. If you would like to leave at this point, please do that very quietly so that people can still. Donc, si vous voulez partir, vous pouvez le faire, mais essayez de le faire le plus silencieusement possible, que les gens puissent continuer à entendre. Si vous avez des questions, allez-y. Et vous pouvez aussi poser des questions sur Internet. Donc, Internet demandait pourquoi l'embargo ? Pourquoi est-ce qu'il y a un embargo sur les résultats des simulations ? Parce qu'en fait, quand vous lancez les simulations, vous voulez être un peu les prompts à les utiliser. Et donc vous voulez quand même pouvoir traiter les résultats avant les autres. Et donc on peut avoir des collaborations, en fait, des gens qui veulent collaborer, mais on veut quand même être les premiers à récupérer les fruits de notre travail. De ce que j'ai compris, ces simulations, elles ne sont pas aussi suffisamment granulaires pour prédire les comportements des stars, des étoiles individuellement. Non. On peut pas voir les différentes classes d'étoiles selon le diagramme de Hirschsprung-Russell.
Donc en fait, il y a quelque chose que j'avais dans le talk que j'ai sorti. Donc il y a des simulations qui montrent comment les amas d'étoiles forment, et même des simulations qui montrent comment les étoiles se forment, comment elles fonctionnent, comment elles explosent même. Not every simulation has to do everything at the same. Mais c'est pas chaque simulation qui doit tout faire. D'un coup, vous pouvez avoir des simulations qui regardent à une certaine échelle et utiliser l'information de cette longueur pour un modèle que vous pouvez utiliser dans un modèle Soumaï pour une simulation à plus grande échelle, par exemple. Please try to limit your questions to a single sentence. Microphone number one. Essayez de limiter vos questions à une seule phrase. Of all the particles in our physical universe, de toutes les particules qui existent dans notre univers physique qui possède une masse, est-ce que toutes les particules sont capables d'interagir avec toutes les particules ou pas? Non. Merci. Microphone number four. So in all your simulations, is there kind of sometimes a steady state that simulation goes to and then just doesn't go any further. Est-ce qu'il y a par moments où est-ce qu'il y a des moments où les simulations arrivent dans un état où elles se stabilisent et elles arrêtent d'évoluer? Non, en fait, dans l'univers, on a une expansion accélérée, donc c'est compliqué. On peut avoir peut-être des situations un peu spéciales d'équilibre, mais je ne crois pas. Enfin, et pour répondre à la question d'avant, je peux aussi dire que donc des particules qui ont de la masse peuvent interagir via la gravité. Donc, au fur et à mesure, les modèles ils ont augmenté d'échelle. Est-ce qu'il y a des questions qui pourront être répondues qu'une fois qu'on aura des modèles d'une certaine taille ou pas? Ouais, en fait, ce que ça augmente, c'est surtout les statistiques. Donc, vous voyez plus d'exemplaires des choses extrêmes. Donc, dans les petites simulations hydrodynamiques, vous n'avez pas beaucoup de clusters très massifs parce qu'en fait, ces clusters sont assez rares. Parfois, vous en formez un si vous êtes chanceux, mais vous ne pouvez pas le prédire des conditions initiales vu que vous n'avez pas encore lancé la simulation, mais parfois, vous ne l'avez pas. Et si vous avez des boîtes plus grandes, en fait, ça vous aide à avoir toutes ces différences d'environnement qui sont échantillonnées. Et donc, dans une petite boîte, par exemple, vous n'avez pas non plus les plus gros vides, vu qu'ils sont plus gros que la boîte. Hi, thank you for your interesting talk. Merci pour ce talk. My question is, what is the time scale at which the simulations are run? Donc, quelle est l'échelle de temps sur laquelle les simulations sont lancées? Vous lancez des simulations à partir de ces images de scan de température et sur combien de temps est-ce qu'on lance ces simulations? Donc, en fait, on ne lance pas de cette image, on peut faire une approximation, mais on peut aller un peu plus loin et après il faut commencer. Et ensuite, on les fait tourner en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette simulation que j'ai montrée, en fait, elle montre l'univers de quand l'univers avait à peu près un cinquième de son volume actuel et jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on fait d'habitude. Parfois, ils se trompent. Et ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont sous-estimé le temps de calcul. Et en fait, il y a certaines simulations qui sont même choisies comme ça parce que en fait, ça les intéresse pas de voir ce qui se passe maintenant. Plutôt les processus qui ont servi dans les premières galaxies et les premières étoiles. Donc, on n'a même pas envie d'aller jusqu'à parce qu'on a assez de simulations qui font ça. Une autre question d'internet. Is it possible to simulate backwards instead of changing start parameters until they match what we observe in our universe? Est-ce que c'est possible de simuler à l'envers en fait, de trouver des conditions initiales qui satisfassent les paramètres qu'on observe? Je pense que non. Okay. Thank you. Microphone number two, your question. Yeah.
So regarding research about fitting certain, donc, à propos des recherches qui essayent de faire matcher des simulations avec nos observations, how many initial states could yield the current observations that we have. Et donc, combien y aura-t-il en fait de d'états initiaux qui pourraient amener à notre situation actuelle. En fait, est-ce qu'il est possible que des états initiaux complètement différents converger, est-ce qu'ils pourraient converger vers le même état? You know, into some donc, par exemple, state est-ce qu'il pourrait y avoir deux états initiaux complètement différents qui amènent à notre univers, par exemple? Or do they have some common pattern? Ou est-ce qu'elles doivent avoir des patterns, des schémas en commun? Alors, c'est les simulations à grande échelle. Si les fluctuations à grande échelle sont vraiment différentes, je dirais non. Mais c'est une question intéressante, il faudrait se la poser. Ça va être la dernière question. C'était la dernière question, on a plus de temps.